Alors, Vincent et Stéphane, il y a un mot que vous avez dû entendre souvent, je pense. Ce mot, c'est décalage. Et sa variante régionale, décalage belge. En fait, j'aime pas ce mot. J'aime pas parce que ça ne veut pas dire grand-chose, c'est réducteur, c'est une paresse de langage. Mais soit. Il faut reconnaître aussi que du décalage, il y en a chez vous. Et c'est assez amusant. Par exemple, prenons votre carrière. Lorsque vous entrez à la Cambre, c'est pour y faire du cartoon. À la Cambre, l'atelier de cinématographie expérimentale d'animation. Premier décalage. Lorsque vous quittez l'école, vos dessins animés ont du succès, on s'attend à ce que vous en fassiez beaucoup d'autres, et paf, vous passez à la stop motion. En réalité, vous en aviez fait avant, mais bon, peu importe. Et alors, la stop motion, chez vous, c'est pas de la pâte à modeler, c'est pas des marionnettes, c'est quoi? C'est quoi votre truc à vous? C'est des petites figurines en plastique, le genre de petites figurines qu'on gagne dans les fêtes foraines à la pêche au canard. Décalage. Ensuite, vous en faites une série qui marche drôlement bien. Même Hardman la remarque. C'est Panique au village. Alors vous faites un long, là ça va, pas de décalage, continuité plutôt. Et puis à la surprise générale, vous réalisez un dessin animé avec Benjamin Renner basé sur les jolies aquarelles de Gabriel Vincent. C'est Ernest et Célestine. Décalage. Vous revenez ensuite aux Paniques, dont vous faites 2 moyens métrages. Là, tout va bien, sauf que vos films sont toujours décalés, bien sûr, décalés à la belge, comme il se doit. Un de vos producteurs, Philippe Kaufmann, a dit un jour, pour aller du point A au point B, Vincent et Stéphane remontent l'alphabet à l'envers, en passant par Z, Y, X. Il y a les frères Cohen, les frères Taviani, les frères Dardenne, les frères Coué, et vous. Ah oui, j'oubliais, vous n'êtes pas frères, décalage. Vous qui êtes les seuls à avoir monté les marches à Cannes en descendant d'un tracteur, vous allez maintenant nous expliquer votre petite popote interne, comment ça marche votre tandem. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par vous montrer, faire un petit récapitulatif de choses qu'on a fait. Alors, ce que vous voyez là, ben, c'est les personnages de Pic Pic André, c'est un petit peu comme ça qu'on nous appelle, et c'est des personnages qu'on a créés à l'école de la Cambre à Bruxelles. Voilà. Ben oui, c'est un, vous voyez, un cheval rouge et un cochon rose qui est magique. Et alors, pour commencer chaque épisode de ce qu'on appelait Pic Pic André Show, on a enregistré une chanson qu'on a fait chanter par Pic Pic et André. Alors, Pic Pic et André, ben, c'est déjà c'est un contraste parce que Pic Pic s'appelle le cochon magique et il est très gentil, il est pas très malin mais il est très gentil, et André, il est mauvais, c'est André le mauvais cheval. Et puis une autre différence, c'est que Pic Pic, il est plutôt dans le style un peu cartoon, un peu dans l'inspiration des cartoons américains des années des premiers cartoons américains jusqu'en couleur, et André, c'est différent. Ça, et puis il était sur cello aussi. Et André, lui, était sur crayon. C'est Vincent qui l'a fait. Oui. Ouais, en fait, j'étais un peu Enfin, quand on est arrivé au début à la Cambre, on ne connaissait pas bien l'animation et on s'est quand même très vite rendu compte que c'était assez laborieux. Et comme on était un peu fainéant, ben, enfin, moi j'ai en tout cas tout de suite vu que je devais quand même y aller mollo avec les décors, donc je les ai carrément virés comme ça. Et comme je dessinais directement, j'aimais bien le côté du crayon sur le papier directement. Ben, évidemment, il fallait que je redessine chaque élément sur chaque papier. Donc il fallait que j'élimine un maximum de choses et que finalement je ne fasse intervenir que les éléments essentiels à mon histoire. Évidemment, une de mes influences, c'était la linéa. Je suppose que certains d'entre vous connaissent. Et alors, en plus de Pic Pic André, on a créé d'autres personnages, comme par exemple le personnage qui a les bras en l'air s'appelle Danny. Il y a celui à côté, c'est le méchant dans Pic Pic. Et puis on a fait aussi des personnages en papier découpé, c'était la famille Balthus, et encore d'autres petits personnages. Et alors, parce qu'on va pas montrer tous les documents, enfin, on a beaucoup de documents, donc on va plutôt montrer quelques éléments qui nous ont influencés dans notre travail, si on veut influencer, c'est-à-dire que on les a vus à la télévision et en tout cas dans le cas de Monty Python par exemple, moi j'ai vu les premiers films de Terry Gilliam qui servaient d'intertitre, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on peut dire, de lien entre les sketchs des Monty Python, et je trouve ça à mourir de rire parce que je n'avais jamais vu ça avant et je trouvais ça super drôle, non seulement parce que l'animation était très basique et puis aussi le son était vraiment aussi extraordinaire, tellement il était de la même simplicité et je trouvais ça vraiment, ça tapait dans l'œil tout de suite. Alors, ça, il faut expliquer ce que c'est. Ben, oui, les papiers découpés, ça nous a tout de suite, parlé. Et, on avait récupéré des vieux podiums qu'on avait au grenier dans la maison. Et ben, le soir, quand on rentrait de l'école, on s'ennuyait un peu et donc on avait besoin de se défouler. Et donc, on se défoulait sur Claude. On lui a arrangé un peu le portrait. Enfin, il n'y avait pas que Claude, hein, il y avait aussi Ringo, Sheila. Ils y sont tous passés. Mais en fait, on s'est rendu compte que, bah oui, en découpant comme ça des visages, ça nous amusait. Enfin, il y avait chaque fois des belles surprises. Comme Hergé, on lui a raboté le crâne ici. Et, bah, et voilà, puis, ça nous faisait. C'est un peu Donald Trump, en fait, non? Oui, un peu, oui. Et puis, on a fait des jeux. Enfin, en jouant avec les personnages, on s'est dit, tiens. On prend notre personnage, on prend sa bouche, on la met sur ce personnage-là, et on met d'autres bouches. Et du coup, on a des transformations. Et ça faisait nous faire rigoler toute une soirée. Il faut que vous fassiez mention de Marc Aryan, parce que je crois que c'est très important pour vous, Marc Aryan. Ben oui, ben Marc Aryan, c'est un chanteur belge, c'est un peu un Charles Aznavour un peu raté qui a fait sa carrière à Bruxelles. Et bah, il avait des chansons extraordinaires. Déjà, bah, c'est vrai, déjà rien que ses textes, ça nous a tout de suite parlé. Par exemple, il chantait beaucoup ces espèces de crooners qui bah, un peu comme Charles Aznavour, des chansons d'amour. Et je me souviens d'un texte qui est vraiment redoutable parce que il parle à une fille et il lui chante tes dents sont comme les touches d'un piano sur lequel ma langue joue des symphonies. C'est magnifique. Mais, sauf que évidemment, il a pas pensé qu'il y avait des touches noires. Enfin, c'est un truc. Et c'est super drôle, mais je pense qu'il n'a pas fait exprès. Et nous, on a gardé évidemment tous ces petits accidents. Et il y a ça dans plein de textes. Et c'est un chanteur qui effectivement nous a quand même pas mal influencé. Un vrai chanteur décalé. Oui. Et donc, enfin voilà, tous ces personnages viennent aussi en partie de ces trucs, de ces chansons un petit peu. Oui. En fait, on a interrompu notre ami Stéphane. Pas de souci, de toute façon, on ne sortirait pas avant minuit. Ben ça, c'est des personnages qu'on a un peu dans l'esprit du papier découpé. On a fait quelques films d'animation avec quelques-uns. Et d'autres, c'est des projets, mais ça n'a pas encore abouti à... On a un projet de série télé, mais elle n'a pas abouti avec ces personnages-là. Alors ça, on va vous montrer quelques documents qui sont un petit peu des en fait, ça, c'est le personnage, c'est Petzi l'ourson qui vit avec Ricky et avec Pingo. C'est une série pour enfants. Elle nous a toujours, on a toujours bien aimé. Ça a toujours été une référence pour nous aussi, parce que je sais pas, il y avait un univers particulier. C'était un peu délirant. Il y avait aussi pas mal d'arrière-plan. Il y a des choses qui se passent. Alors, les personnages principaux, on les suit, et puis on découvre qu'à l'arrière-plan, il y a d'autres personnages qui racontent des choses. Et ça nous amusait de cette double lecture. Donc on l'imaginait, on imagine qu'un jour peut-être faire un épisode avec Cowboy Indien qui partirait sur le bateau de Petzi. Alors ça, c'est aussi un dessinateur qui nous a beaucoup inspiré, c'est Gary Larson. Pour faire nos personnages, voilà, quand on dessine des vaches qui, par exemple, vont se coucher le soir, on les met dans des sacs de couchage et directement les physiques des vaches, c'est des vaches à la Gary Larson. Quand on les dessine, c'est comme ça qu'on les voit. Même chose quand elles se battent dans un épisode, elles se battent pour récupérer la ferme que des bandits leur ont volée. Voilà, on repart dans l'esprit. Même chose sur les moutons ici dans ce super gag, nous on interprète les moutons quand c'est aussi une scène de bagarre avec les moutons qui doivent se défendre. Ils tirent sur un mouton pour en faire un hamac pour qu'un mouton qui est tombé, qui se trouve en haut d'une colline, puisse tomber à l'aise sans s'écraser sur le sol. Et alors une autre influence, c'est Sampé. Sampé, on aurait pu en montrer des tonnes parce que ce qu'on aime bien aussi, c'est le côté visuel là-dedans. Il n'y a pas de dialogue, c'est juste les dessins qui parlent et puis les petits gags finaux. Alors ça, c'est autre chose. C'est Will Eisner qui dessinait j'ai un trou, le Spirit. Cette bande dessinée-là, en fait, ce n'est pas du cartoon. C'est ce qu'on trouvait intéressant en la découvrant, c'est que dans ces cases de bande dessinée, on se rend compte que c'est un peu comme une cascade, comme un flot continu. À chaque plan, à chaque case, on se rend compte qu'il y a un personnage qui va intervenir et c'est vraiment un jeu de ping-pong de case en case. Et c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on s'est amusé à faire des dessins animés en jouant avec ce côté un truc rebondit, on fait rebondir un autre, on fait rebondir un autre. Et Will Eisner, il n'arrêtait pas d'utiliser cette technique-là tout le temps. Alors oui, les inventions, justement, les inventions, ça part déjà aussi de... Vous avez vu précédemment le petit ours Petzi. La première aventure de Petzi, il se promène avec Ricky ou le pingouin dans la rue et puis il tombe sur le volant du bateau. Et au départ, Petzi et le pingouin, ils veulent faire... tiens, qu'est-ce qu'on... c'est une roue, on va faire un chariot. Et puis il y a... Il y a Je crois que c'est Ricky qui a... C'est Ricky qui dit, le pélican, oui, voilà. Ricky, le pélican, qui dit, non, les gars, vous n'y êtes pas du tout, c'est pas une roue, c'est un bateau, c'est le volant d'un bateau, il faut fabriquer le bateau, quoi. Ah bah oui, on va faire un bateau, ils font le bateau, et puis c'est comme ça que les aventures de Petzi démarrent. Et donc les inventions, ça part vraiment de trucs, et donc tous ces dessins-là, déjà il y avait dans les séances et vies des années 50, des trucs de bricolage, et donc on garde aussi ces images-là qui nous nourrissent et qui nous donnent des idées pour créer aussi des machines dans Panique ou dans d'autres trucs, mais enfin, c'est essentiellement dans Panique les bricolages, c'est c'est tout de suite magique quand c'est en volume, quoi, les choses qui sont fabriquées comme ça. Oui, en fait, ces vieilles gravures du 19e siècle, ils partaient dans des trucs, dans des idées pas possibles, et on s'est un petit peu inspiré de ça pour installer des univers, comme par exemple dans le long métrage, il y avait un énorme pingouin qui avale Cowboy Indien et Cheval. Et le pingouin, on l'avait imaginé un petit peu dans l'esprit de Hergé dans Joe et Z, quand il y a le véhicule sous-marin qui les emmène sur une île. Et voilà, c'est un peu le type de décor qu'on a imaginé pour nos personnages. Ça, c'est l'intérieur du pingouin. Alors, autre chose qu'on aime bien, c'est de jouer avec de modifier les objets. Et à nouveau, ça, c'est encore une influence. En tout cas, moi, je me souviens de ce livre-là, il traînait dans la maison chez mes parents. Et c'était en fait un type qui s'appelle Carelman qui n'arrêtait pas de jouer. Enfin, il n'arrêtait pas, je ne sais pas combien de temps il a fait ça. Mais bref, il a détourné le Manufacture des armes et des cycles de Manufrance, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et il en a fait des objets introuvables. Et au début, on regarde ça comme ça. Et ce qui est marrant, c'est de percevoir qu'il y a un problème dans cet objet-là. Donc nous, on a un peu interprété ça à notre manière. Ici, par exemple, c'est un vélo marin, c'est le facteur qui fait la tournée en Panique au village. On lui a mis une petite hélice pour qu'il puisse aller livrer le courrier aux poissons qui vivent dans le monde sous-marin, en dessous de la mare de la ferme. Et ça, c'est le scaphandre du facteur grenouille. Ça, c'est un siège qui a été imaginé par Carelman, hein, un fauteuil radiateur. Et puis nous, on dessine aussi des sièges un petit peu en forme de pingouin pour les scientifiques. Ça, c'est un truc qui nous fait beaucoup rigoler, c'est le sac de couchage à pied. Et nous, on a... Ça, c'est par exemple une douche pour cheval qui est adaptée à son corps. Et ça, c'est le système D, c'est ce dont parlait Vincent. C'est aussi... C'est des vieilles revues qu'on aime bien, par exemple. Celle-ci, elle nous fait beaucoup rigoler parce que c'est le personnage super cool dans sa bagnole qui dit bonjour à l'autre, qui sont super bien sapés. En fait, on se rend compte que ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié son vélo en voiture, mais... C'est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression que c'est une super bagnole qui fonce. Et c'est juste un objet que, que ce journal proposait aux gens. S'ils avaient envie de se fabriquer une bagnole, ben allez-y, voilà les plans et à vous de jouer. Et ce qui était drôle, c'est que le design est super simple et finalement il est super beau. Et nous, on s'est un peu inspiré ça pour faire quelques-unes de nos bagnoles dans Panique au village, comme celle-ci pour une voiture. Par exemple, c'était une course de cyclisme qui était organisée par Cheval. Ben les voitures qui suivaient, ben c'était des bagnoles aussi carrées, aussi rondes que dans le système D. Je vois qu'il y a des cotes, là, vous faites vraiment du dessin technique. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est très précis. Hein, oui. Hauteur 5,9. Et une remorque. Et vous avez une imprimante 3D Non, les imprimantes 3D que nous avons, c'est trois super gars qui savent super bien bricoler. Et c'est pour ça qu'on doit être précis, justement. Non ? Je comprends. Bon, ça, c'est un petit dessin qu'on aime bien. Enfin, c'est Richard Scarry qui a eu toute une gamme de véhicules comme ça, qu'il imaginait à partir de mélanger des animaux et des véhicules. On trouve ça rigolo. Ça, c'est des véhicules. Enfin, non, c'est plutôt des choses. C'est Cowboy Indien qui imagine qu'est-ce qu'il pourrait bien donner comme cadeau à Cheval pour son anniversaire. Donc, il se lance dans différentes idées. Et là, on va passer au village de Panique au village. Alors maintenant, on va vous montrer le vieux Panique au village qui a été fait en 1995. 91. Ah ouais. Alors du coup. Et alors, que s'est passé? Donc là, on est en 91, avant le grand marché européen, et tout était déjà là, tout était en place. Je veux dire, vous n'avez pratiquement rien ajouté. Bah oui. C'est l'écriture automatique. C'est... Voilà. Ouais, en fait, ce film-là, je l'ai fait, c'était la dernière année où j'étais à la Cambre, et j'ai surtout fait du dessin animé, et du coup, j'avais envie, pour la dernière année, de faire... au moins une fois un petit film en stop motion, mais bon, j'avais pas les capacités de faire un Wallace et Gromit, donc j'ai pris, j'ai utilisé les trucs les plus simples qui soient, et c'est comme ça que j'ai utilisé c'était même pas les cowboys des Indiens, c'était plutôt des personnages de ferme, et voilà. Et puis, mais vraiment, le scénario était pratiquement improvisé tous les jours. Mais en fait, à l'époque, vous travailliez déjà ensemble, et moi, j'ai lu dans l'excellent livre d'Alain Lefebvre sur votre travail, que en fait, vous travaillez ensemble sur tous les films, pratiquement. Non, vous aviez quand même des films personnels, mais que c'est l'atelier qui demandait qu'au final, en tout cas pour le travail de fin d'études, vous signiez séparément vos travaux. C'est exact ? Mais oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça faisait 2 ans qu'on faisait déjà beaucoup de choses ensemble, et... Ils nous ont dit, ouais les gars, pour la dernière année, vous pourriez peut-être faire vos petits films de votre côté pour diversifier un petit peu les choses. Et donc c'est vrai qu'on mettait chacun la main à la patte sur le film, oui, de l'autre. Mais vous signez... voilà, puis alors du coup, on leur a fait plaisir quand on a fait différents petits films, différentes techniques, mais en même temps, ça nous amusait aussi, parce qu'on on a fait des films crayon, papier découpé, plasticine aussi. Et puis, donc voilà, on a un peu diversifié nos techniques, et ça nous permettait aussi de pas rester non plus dans une petite bulle. Ça nous a fait du bien aussi de pouvoir... Il y a une question qui doit, à mon avis, vous embêter, parce qu'on doit vous la poser souvent, mais je vais quand même la poser. On ne sait pas, et peut-être que vous ne savez plus vous-même, qui fait quoi. Je veux dire... il y a une espèce d'osmose en fait dans ce que vous faites, et comme ça de l'extérieur c'est difficile à dire. Oui, ça c'est Vincent, ça c'est Stéphane. Ce qu'on expliquait souvent, c'est que on expliquait un petit peu aux gens qu'on mettait un petit peu tous nos jouets dans le même bac à sable, et on remettait un petit peu parce que moi je vais faire un dessin que Stéphane va peut-être récupérer, que moi j'avais peut-être jeté, ou vice versa, et c'est un petit peu comme ça, mais voilà, on va vous expliquer un petit peu comment ça se fabrique, mais c'est vrai qu'au départ ça part de petites discussions, ça part de petits dessins qu'on fait chacun de notre côté, et puis il y a tout d'un coup un petit machin qui réveille l'attention de l'un ou de l'autre, et puis pouf, ça... il y a une petite graine qui va germer, mm-hmm. alors que l'autre, elle va voler à la poubelle, quoi. C'est, mm-hmm. Mais voilà. Mais en même temps, chaque petit truc qui est mis, c'est un petit peu comme tous les dessins qu'on vous a montrés, les images qui nous nourrissent. Voilà, c'est des machins. Voilà, on a tous nos bouquins, tous nos documents, et c'est tous des machins qui sont là comme ça à côté de nous tout le temps, et ça grouille tout le temps autour de nous, et donc voilà quoi. Après, bon, évidemment, ouais, il faut canaliser les choses, et on doit mettre tout en place, et voilà qu'on essaye un peu de structuré comme ça, mais on n'a pas vraiment de règles à la base. C'est ça que c'est toujours un petit peu compliqué aussi. Mais maintenant, on écrit beaucoup avec Vincent Tavier, qui est notre producteur, et ça nous aide beaucoup à bien structurer les choses aussi, parfois. Là, ce qu'on voit, c'est la couverture d'un livre sur les frères Fleischer. On aime vraiment beaucoup leur travail, que ce soit avec Betty Boop et avec Popeye, et encore, mais ça on connaissait moins, mais c'est Philippe qui nous en parlait, Stone Age, qui était une série avec des hommes de Cro-Magnon. Ouais, et ce qu'on aimait bien aussi chez les frères Fleischer, c'est qu'ils étaient assez bricoleurs, ils cherchaient, c'était... par exemple ici, peut-être que vous connaissez ce document-là, je pense que c'est assez répandu dans l'animation, c'est un gars qui a construit une table tournante, c'est vraiment le décor qui tourne sur lui-même, avec devant une fenêtre sur laquelle on posait les cellos. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Quel intérêt de faire ce truc-là? Et puis ça, on voit un extrait de... En fait, ce document-là en lui-même, c'est quoi? C'est juste, je sais pas, ils ont voulu essayer quelque chose. C'était pas réellement abouti. On voit pas très bien qu'est-ce que ça apportait de plus de faire ce petit truc en 2D, du stop motion dans un film en 2D. Et pourtant, l'esprit était perturbé de voir ces trucs-là. Et moi, je trouve déjà c'est intéressant de voir un petit peu d'essayer des expériences. Donc, les décors aussi nous a un peu, on trouvait ça assez amusant de voir quel drôle d'univers tout d'un coup est mis en place. Ben voilà, c'est une parenthèse. C'était un peu la réponse des studios Fleischer à la caméra multiplane de Disney, mais en même temps, ils l'ont très peu utilisée parce que c'était des plans qui étaient très, très compliqués à réaliser et qui n'avaient pas vraiment une utilité. Voilà, exactement. C'est ça. Maintenant, pour faire les Panique au village, ben on va chercher des objets, avant en tout cas. On le fait un peu moins maintenant, enfin, ça dépend. Et alors on sélectionne surtout des... Ben oui, pourquoi est-ce qu'on a fait Cowboy Indien et Cheval? C'est parce qu'on les trouve, c'est les objets, les figurines qu'on trouve le plus dans des positions différentes un peu partout dans les marchés. En tout cas, à une certaine époque, parce que les cowboys et les Indiens, c'était super à la mode dans les années 40, 50, 60. En même temps, Cheval c'est aussi, et Cowboy, c'est aussi le personnage de Pic Pic, des dessins animés. Exactement, ouais. Et alors, quand on a sélectionné, quand on trouve qu'ils sont bons, on les coupe en petits morceaux, et puis on les colle, et on les peint, et alors on obtient de nouveaux personnages, et comme ils ont la même couleur à chaque fois, on a l'illusion que c'est le personnage qui bouge tout le temps. Et là, on a fait toute une série de personnages. Vous verrez, on en a vraiment beaucoup. Et par la suite, on a fait un pilote qui s'appelait Le Gâteau, peut-être que vous l'avez vu, et... Le Gâteau a fait un petit peu le tour des festivals et il nous a permis de convaincre des gens d'investir, de nous aider à faire une série de 20 fois 5 minutes. Et là, on a rajouté d'autres personnages en plus de Cowboy, Indien et Cheval, c'est-à-dire Janine, Steven, enfin tous les personnages de la ferme, les animaux, le facteur. Et puis on en a encore rajouté plein d'autres. Et par exemple, ici, c'est le personnage c'est la base qui nous a servi pour créer le personnage du Père Noël dans La Bûche de Noël. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça, on s'était inspiré pour le personnage d'une bande dessinée anglaise de je ne sais plus comment il s'appelle, Raymond Brick. Sacré Père Noël, oui. Raymond Brick, oui. Et voilà, c'est le résultat, ce que ça donnait. Et pour la tête, on s'est inspiré de l'émi de Motorhead. Parce qu'on est vraiment... En fait, c'est ça. Je me souviens quand on les pensait, qu'on voulait faire en 26 minutes avec Vincent Tavier et Vincent, on disait, ah oui, bah, il faudrait faire un truc qui se passe pendant, en hiver, il y aurait de la neige, tout ça. Et puis Vince, il dit, Vincent Tavier, il dit, ouais, ce serait bien que ça se passe à Noël. Puis moi, au début, ma première réaction, c'est, oh non, encore Noël, mais tout le monde fait des films avec, avec Noël, tout ça. Puis je commence à réfléchir, ouais, mais bon, peut-être qu'on pourrait faire un Père Noël un peu spécial, qui a un peu une, plus une gueule bizarre que les gentils Père Noël qu'on voit toujours dans les Walt Disney et les trucs suivants. Puis finalement, on a trouvé un univers qui nous plaisait bien autour du personnage du Père Noël. On lui a installé un entrepôt, mais vraiment un entrepôt comme vous avez peut-être ici dans la banlieue de... Enfin non, peut-être pas ici, mais dans la banlieue de Poitiers ou n'importe où. Mais vraiment un truc très plus industriel, quoi. Alors ça, c'est l'intérieur très Ikea de chez Cowboy Indien et Cheval. C'est leur cuisine. Ça, c'est bah voilà, c'est le village. C'est le village qu'on a mis en place pour les personnages. La chambre de Janine et Steven. Et alors, tous les jeudis midi, Cowboy Indien et Janine et Steven jouent aux cartes. Et alors ça, c'est un dessin. C'était quand on a fait le long métrage. Quand on a dessiné le long métrage, on avait envie de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en dessous du village, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre en place en dessous du village. On a essayé d'imaginer tout un parcours, tout un monde souterrain qui existerait autour en dessous du village de Cowboy Indien. Donc ici, par exemple, on a la tournée du facteur. En fait, il y a une énorme tournée, il allait sous l'eau. Il allait sous l'eau parce qu'il devait servir, il devait aller apporter le courrier à des personnages qu'on appelait les Atlantes, qui vivaient juste en dessous de chez Cowboy Indien. Ils avaient des maisons dans l'autre sens. Et ça, c'est quelques dessins préparatoires de... Voilà, ça, c'est le monde du dessous. Et ça, c'est les Atlantes. Eux aussi jouent aux cartes. Et ça, c'est un peu une source d'inspiration. C'est la créature du lac noir. Et alors, de temps en temps, on aime bien les machines et on s'inspire beaucoup de James Bond et aussi de la série des Thunderbirds parce qu'ils font vraiment bien les maquettes. Et puis ça, c'est quand ça se passe en hiver. Là, quand on les fait en épisode, parfois on écrit des épisodes, mais on oublie on dit ouais, bah, ça se passe en hiver, donc il y a beaucoup de neige. Et puis on se dit ah ouais, mais comment est-ce qu'on va faire la neige? Donc il faut trouver des solutions. Ici, comme solution, bah, c'est assez simple. On a utilisé de la mousse qu'on utilise normalement pour mettre dans les coussins ou quelque chose d'équivalent. Et pour nous, ça suffit. On a l'illusion que c'est de la neige, même si on sait bien que c'est de la mousse. Et ça, c'est un épisode dans lequel Cowboy Indien s'était endormi pendant 2000 ans et le facteur l'a porté tous les jours une lettre et après 2000 ans, bah, il n'en sortait plus. Et du coup, on fait la transition avec les storyboards. Et donc, après toutes ces idées qu'on étale comme ça sur la table, à un moment donné, ben, on cherche un petit peu à structurer quand même les choses, parce qu'il faut de temps en temps ranger notre chambre, sinon c'est le bordel. Et donc on commence à noter déjà des listes, enfin, on cherche un peu, on fait déjà des petits plans et des petites... des petites possibilités de voyage et de déplacement de chacun. Enfin, on essaye de voir un petit peu comment tous les petits éléments qu'on a sur la table peuvent s'imbriquer et fonctionner convenablement. Bah, dans ce cas-ci, ce qu'on va vous présenter, c'est un peu de vous expliquer, parce que c'est ce qu'on fait pour l'instant le plus souvent, c'est qu'on écrit des 26 minutes avec Cowboy Indien et Cheval, comme on a fait la bûche de Noël. Après, on a fait la rentrée des classes qu'on vous passera tout à l'heure. Et puis là, on a écrit un nouvel épisode et on en écrira encore un. Et voilà, comment est-ce qu'on fait finalement pour essayer de trouver des histoires? Donc voilà, au début, par exemple, le tableau que vous voyez là, ben c'est un peu structuré en trois parties. Il y a le rêve, Cowboy Indien font la liste de cadeaux pour le Père Noël parce qu'ils voudraient bien avoir leurs cadeaux. Il y a un problème qui s'établit, c'est qu'ils doivent trouver une bûche pour Cheval parce qu'ils ont cassé la bûche qu'il avait préparée dans la cuisine. Et la solution, c'est après avoir beaucoup de moments... Et ça, c'est vraiment juste des explications pour nous. C'est des penses bêtes. Si on se dit, la solution est aussi un petit peu le moment important du film, c'est ils vont chez le Père Noël. Même chose avec quand au début d'un épisode, ils disent on va partir en vacances dans le sud. À ce moment-là, il y a Cheval qui intervient qui dit « Ben non, vous devez aller à l'école, c'est le 1er septembre. » Ils avaient complètement oublié. Et la solution pour eux, c'est pour aller dans un autre endroit qui ressemble à des vacances, ils vont devoir aller dans le cerveau de cochon. Parce que, ben bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Ou alors, ils ont réussi leurs examens. Très résumé, hein. Ils ont réussi leurs examens et Cheval leur dit bah, « Ok, je vous offre une entrée pour aller à la foire agricole. » La foire agricole, c'est l'équivalent d'un super festival de musique d'été, mais vraiment le plus beau festival du monde. Sauf qu'au moment où Cheval va leur donner les places, ils se plantent la gueule sur un skate et ils perdent la mémoire. Du coup, les cow-boys indiens sont perdus et ils ne savent pas « Mais comment est-ce qu'on va faire pour... » Parce que oui, c'est ça, ils devaient leur montrer où se trouvaient les tickets, mais comme il est tombé, ils ne savent pas où se trouvent les tickets. Et du coup, il faut qu'ils trouvent une solution pour qu'ils retrouvent la mémoire. Voilà, ça c'est des exemples. Et ça, c'est des trucs qu'on écrit sur des feuilles en se disant, ben voilà, des propositions, à la bûche de Noël, il faut ça. Ou alors, on lance des propositions, puis on en discute tous ensemble avec Vince, et puis on commence à chercher des idées. On se dit, ben voilà, par exemple, Cowboy, il pourrait chercher du travail, et donc ils vont travailler chez Jean-Claude, le beau-frère de Cheval, qui travaille qui tient un restaurant avec sa femme. Ou alors... Une autre idée, comme disait Vincent, ben voilà, à un moment donné, il y a Cowboy Indien, ils disent, tiens, on ferait bien un grand tour à vélo, ou bien un truc super bateau, c'est le trésor de Barbe Rouge. Qui n'a pas entendu parler du trésor de Barbe Rouge? Personne ne sait ce que c'est que le trésor de Barbe Rouge, mais ça fait rêver quand même. Du coup, Cowboy Indien, tout ce qui les fait rêver, c'est bon, ils le prennent. Et là, comme ça, c'est... Vous, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, ben voilà, ça, c'est aussi c'est un peu des mémos, c'est de se dire... Ils ont cassé le tracteur de Steven, ils essayent de le réparer, c'est une catastrophe. Enfin, tout ce qu'ils essayent de faire... En fait, chaque fois qu'ils essayent de faire des choses normales, ça tombe à la catastrophe. Pour arriver à résoudre un problème, il faut qu'ils fassent quelque chose d'anormal. Ici, par exemple, c'est Indien qui... on s'est dit, tiens, comme travail, il était gardien, pas vraiment gardien, mais il devait faire visiter à des touristes un château, une ruine de château. Mais c'est un château qui, comme les gens n'ont pas envie de se déplacer à pied, il y a un ascenseur qui monte et les bagnoles qui visitent la salle du trône et puis elles redescendent par un autre ascenseur. Enfin, vraiment un truc, ils n'ont plus rien à faire. Ou alors des situations où le village, il a été complètement modifié, on ne sait pas pourquoi, mais c'est devenu ça. Et c'est d'arriver à parfois, comme dit Vincent, c'est un dessin qui inspire une fin d'histoire ou une situation dans laquelle on pourrait broder un début et une fin. Ça, c'est l'extérieur du château dans lequel devait travailler Indien. Là, je pense que, de nouveau, Cowboy Indien cherche un truc pour faire plaisir à Cheval, genre lui offrir des pantoufles, lui offrir des pommes, parce que je crois que les chevaux aiment bien les pommes. Hein, voilà. À un moment donné, il était question, quand on a commencé à faire la foire agricole, on voulait d'abord les envoyer dans un musée d'histoire naturelle où ils font tout péter. Et enfin, voilà, c'est des... On écrit des choses, on ne sait pas très bien où on va, et puis à un moment donné, y a un truc qui se décoince, et puis pouf. Parfois, on peut tourner longtemps à griffonner des trucs sans trop savoir vers quoi on va, et puis petit à petit, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à naître, et ça peut aller vite après. Et donc, en Vincent Tavier, vous avez trouvé un complice qui fonctionne de la même manière et avec qui vous êtes en phase? Oui, en tout cas, il est sur la même longueur d'onde. Et en fait, ce qui est génial avec Vincent, c'est que quand il voit comme ça, bon, on se réunit quand même régulièrement où on parle des idées, on essaye de les remettre en place. Et du coup, lui, il va les retranscrire en écrit. Donc, il va faire une version, c'est un petit peu un processus inverse de ce qui se fait habituellement, probablement. Enfin, je ne sais pas, enfin, nous, c'est comme ça qu'on travaille. On part de dessins, on raconte des choses avec des dessins. Et puis Vincent va venir, il va commencer à traduire en écrit. Et puis... il va lire le texte, et puis on va le relire, et puis on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, et on va retourner vers les dessins, et retravailler le storyboard, virer les machins qui ne fonctionnent pas bien. Et c'est un petit peu une espèce de working progress, comme ça, un truc un peu... c'est vraiment une espèce de stratification de chaque fois des petits... voilà, on marche chaque fois sur des œufs en même temps, hein, on ne sait pas très bien, c'est toujours super fragile. Mais quand même la base de discussion, pour commencer à discuter de faire évoluer un scénario, il faut quand même qu'on aille, face à nous une amorce de storyboard, c'est-à-dire vraiment, bah voilà, un truc comme ça, ici par exemple, quand on a fait le long métrage de Panique, on avait dans l'idée de faire un deuxième Panique au village. Et donc, bah voilà, c'était ici, par exemple, c'était un projet de petit générique. C'était, ça se lit de gauche à droite. Donc, au début, c'est un petit paysage avec chaque fois les crédits. Et puis, hop, il y a un panneau qui apparaît. Et puis, avec écrit Panique au village, puis Panique au village 2. Et puis, on arrivait dans le poulailler de la ferme. Il y avait le petit coq qui sortait, et puis il faisait un énorme cocorico. On reculait et on voyait tout autour du village. Et puis on voyait un petit peu tous les personnages autour du village. Ici, on a une famille de cerfs et de biches qui se lèvent. Ils ont un lit qui repositionne un lit comme si des lits d'hôtel, sauf que c'est dans un rocher. Ici, il y a un couple de petits motards qui dormaient, puis il y a leur tante qui se replie dans leur moto, ils s'en vont. Un espèce de truc un petit peu à la Terry Gilliam. Et puis on arrive dans la chambre de Janine, elle ouvre un coffre, et là elle pousse un bouton, et c'est simplement un petit panneau lumineux qui dit au coq qu'il arrête de crier, parce que ça fait 2 heures qu'il gueule. Et puis Janine commence à faire son petit parcours, elle montre de nouveau comment c'est la journée de tous les jours dans la ferme. Là, elle prépare le petit déjeuner pour Steven, et du coup elle va dans la mare, elle cherchait un énorme poisson de la taille d'une baleine. Enfin voilà, tous les trucs disproportionnés. C'était une petite idée comme ça, ça n'aboutit à rien du tout, parce que c'était juste, tiens, essayons de faire quelque chose. En fait, on essaye toujours de faire quelque chose, on n'est pas forcément sûr que ça va aboutir, mais peut-être que c'est l'amorce de quelque chose, si tu essayes de faire des étincelles, puis peut-être que le feu va prendre. Ou alors c'est des idées comme ça, c'est de faire des dessins, d'imaginer, tiens, Cowboy Indien, on fait une connerie, ils ont cassé le tracteur de Steven, et peut-être qu'il y a moyen il y a peut-être des distributeurs de tracteurs quelque part, voilà, on fait un dessin comme ça. Ou ici... Je ne sais pas pourquoi, par exemple, ils sont devenus complètement fous et qu'ils ont un petit jeu de voitures électriques, et ils sont persuadés que s'ils les font tourner toute la nuit pour les faire les 24 heures de voitures électriques, ça ne sert strictement à rien, mais cette image-là est ridicule. Tu dis peut-être qu'on pourrait l'amener dans autre chose. Alors ici, ça c'est pour la rentrée des classes, c'est pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on travaille sur les storyboards. C'est une première version du début de la rentrée des classes, le film que vous allez voir tout à l'heure. Et ça se lit de nouveau de gauche à droite. C'est le facteur qui arrive, qui amène une lettre au gendarme qui est toujours au milieu du carrefour du village. Il lui donne le courrier, et puis il monte en haut de la colline à la ferme. Là, il y a Steven, Janine et les animaux qui sont en train de remplir le tracteur d'essence. Le petit fermier s'arrête, il donne à chacun une enveloppe, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, ils l'ouvrent tous, et puis ils réagissent tous très fort, et puis ils disent « Oh non, mon Dieu, déjà !» Puis pouf, ils foncent tous, ils ont quelque chose à faire. Au loin, on voit le petit facteur qui monte vers chez Cowboy Indien, mais on ne va pas directement voir l'extérieur, on va directement à l'intérieur, et on voit que Cowboy Indien et Cheval sont en train de faire de la pâte, peut-être pour faire des crêpes, et puis il y a Cheval qui dit « Il faut prendre du lait », ils prennent du lait, ils en mettent, et puis... Pendant ce temps, il y a le petit facteur qui vient, il sonne, mais il ne l'entend pas parce qu'ils ont mis en marche le mixeur, donc ça fait beaucoup de bruit. Il dépose la petite enveloppe. Et puis il y a Cowboy Indien qui dit « Ouais, on peut jouer avec le mixeur », donc ils ont aussi envie de le faire. Ça ne marche pas, donc ils réessayent. En fait, ils avaient débranché le truc, donc ils le rebranchent. Et quand ils le branchent, ils le branchent beaucoup trop fort. Il y a toute la pâte qui vole dans tous les sens. Et puis à ce moment-là, il y a Cheval qui vient, il dit « Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pâte ». Ils disent « On est vraiment désolé, bon, ben, il faut tout recommencer à aller rechercher des œufs et du lait. Des œufs, du lait, ils doivent aller en chercher à la ferme. » Donc ils vont à la ferme en face. Et ils voient que les animaux sont en train de tailler des crayons avec le tracteur de Steven. Ils vont dans la grange, ils voient que les animaux sont en train de recouvrir des cahiers avec du papier comme on fait à l'école. Mais ils ne comprennent toujours pas, ils demandent s'ils peuvent avoir du lait. « Ouais, voilà du lait. » Et puis ils vont chez Janine pour aller chercher des œufs. Ils voient que Janine est en train de faire des tartines pour faire des sandwichs. Et puis ils demandent qu'est-ce qui se passe ici. Bah, on leur explique tout simplement, bah, c'est la rentrée scolaire. Et puis là, ils voient les fameuses enveloppes qu'eux n'ont pas vues parce que ça avait fait du bruit avec le mixage. Et là, ils se rendent compte, quoi, ça, elle est rentrée aujourd'hui. Du coup, ils foncent à fond jusque chez eux, et puis ils s'enferment dans leur chambre. Et là, ils commencent à préparer leurs valises en se disant, bon, on va se casser le plus vite possible, jusqu'au moment où Cheval découvre l'enveloppe. Et là, on se doute bien qu'il va leur dire, bon, les gars, stop, c'est la rentrée scolaire, on n'est pas parti en vacances. Bon, voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est super long. Oui. Et on n'a pas fait ce truc-là. Ben non, parce que c'était une version. Ça, c'est l'introduction d'un long métrage. Et comme ça, vous avez cité Janine, mais tout le monde ne sait pas qui est Janine. Ah non. Non, je comprends pas. Ben Janine, c'est la femme de Steven. Et Steven, c'est qui, hein? Oui, donc c'était super long et enfin vous verrez que effectivement là on a quand même bien raboté. Enfin tout a été vraiment. Mais enfin ça partait de là quoi. Et puis on a dû resserrer les choses et. En fait, on a laissé tomber cette histoire-là. On a recommencé tout depuis le début. Cette fois-ci, on est parti simplement du début. C'est Cowboys indiens sont dans leur chambre. Ils se lèvent, hop, ils prennent leurs valises. On voit déjà qu'ils sont habillés pour aller en vacances. Il y a Cheval qui les voit. Il ne dit pas c'est le 1er septembre, vous allez aller à l'école. Et ils disent on a un avion dans 20 minutes. Ils vont près de chez Gendarme. Et là, il y a le bus qui vient. Ils prennent le bus en étant persuadés. Et le bus s'arrête parce qu'il doit aussi prendre les animaux. Bon, Cowboys indiens, ils sont d'accord, ils veulent bien que les animaux viennent avec, ils ne comprennent pas très bien pourquoi, ils s'en foutent. Eux, ils savent qu'ils doivent partir en vacances, ils vont aller à l'aéroport. Et ils sont persuadés que le bus scolaire est le bus qui les amènera à l'aéroport. Donc quand le bus arrive à l'école, ils se disent, tiens, ouais, on arrive à l'aéroport. Quand ils arrivent dans la classe de l'école, ils sont persuadés que c'est la salle d'attente de l'aéroport. Jusqu'au moment où on leur dit, ben voilà, c'est un truc qui nous a rigolé. Mais de nouveau, on arrivait dans un truc, c'était une impasse, on se dit, mais puis quoi, qu'est-ce qu'on fait après? C'est un peu comme si vous lancez un truc, si vous lancez un patin, vous allez bien rigoler, mais tu te rends compte, le patin, à un moment donné, il va ralentir, puis il se passera plus rien. Oui, et puis on s'est rendu compte aussi que dans cette version-là, par exemple, on ne pouvait pas tout expliquer visuellement. On était obligé de préciser des choses dans le dialogue, alors qu'à la base, on essaye quand même... justement d'expliquer les choses d'abord visuellement et donc voilà on a revu de nouveau encore une fois notre copie. Surtout Cheval n'était pas installé dans cette histoire là parce qu'il était pratiquement absent. Il leur dit oh, qu'est-ce que vous faites, vous partez en vacances? Ok, moi je dis rien. Alors que dans la troisième version, celle qu'on a filmée, regardez, ils se lèvent le matin, ils prennent leur bagage, ils vont juste faire des sandwichs dans la cuisine. Il y a Cheval qui vient dire oh super, vous levez tôt. Et ils disent, ben oui, on est parti en vacances. Il dit vous êtes con quoi, vous devez partir, vous devez aller à l'école, c'est le 1er septembre. À quoi, à l'école? Et puis au début, ils essayent de se planquer, ils se font passer pour des robots et ils font des photocopies d'eux-mêmes pour faire croire qu'ils vont à l'école. Cheval n'y croit pas et puis il leur fout un coup de sabot et puis il les envoie dans le bus scolaire qui les amènera finalement bien à l'école. Et là, ils ont accepté le fait qu'ils vont devoir aller à l'école. Mais bon, ça a été beaucoup plus vite pour expliquer ça parce que ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui allait se passer après. Ça, c'est un exemple, c'est le professeur Lambermont qui explique, c'est le professeur de biologie chimique physique de l'école, et là il explique comment fonctionne le grand et le petit. Bah, pour lui c'est pas compliqué, vous mettez une goutte d'un produit vert, ça devient petit, vous mettez une goutte de produit rouge, ça redevient grand, et le cours est terminé. Et alors ça c'est un dessin, en fait c'est un dessin qui explique quelque chose qui était en projet dans le projet de faire un deuxième Panique au village long métrage. L'idée c'était que Cowboys indiens voulaient faire quelque chose, ils devaient trouver un métier, ils ne savaient pas quoi faire comme métier, et donc ils vont au salon des métiers, salon où les jeunes apprennent, ils cherchent quelque chose à faire, et ils voient un cosmonaute qui leur dit, bah voilà, moi j'ai sur la Lune, c'est vraiment bien. Super, nous aussi on va aller sur la Lune. Bah oui, mais il faut juste étudier, donc ça les dérange beaucoup. Et du coup, ils ont vraiment envie d'aller sur la Lune, donc ils étudient énormément. Pour Indien, ça va, il assimile assez bien les matières, mais pour Cowboy, ça marche pas, il a vraiment du mal à se concentrer. Mais comme il travaille à la même table, Cowboy voit Indien qui travaille bien, et à un moment donné, il prend une espèce de truc qui tourne et Indien est hypnotisé. Et il profite qu'Indien est hypnotisé pour... Mais ça, c'est un peu compliqué avec les dessins comme tels qu'on les voit là. En fait, on rentre dans le cerveau d'Indien, de Cowboy, et on se rend compte que dans le cerveau de Cowboy, il y a plein de petits Cowboys qui sont en train d'essayer de gérer toute la matière qu'il a soi-disant emmagasinée en lisant des livres, mais c'est le bordel. Et en fait, ce que les petits Cowboys ont fait, ils ont envoyé un téléphérique de l'oreille de cow-boy à l'oreille d'Indien, et ils sont allés chez Indien. Tous les petits cow-boys sont allés chez Indien. Ils ont piqué toute la matière que Indien avait réussi à bien assimiler. Sauf qu'à un moment donné, il y a un courant d'air et il y a ce qui permettait ce qui permettait à Indien de dormir, il se réveille et du coup, tous les cow-boys qui étaient dans le cerveau d'Indien, ils sont toujours là. Et ça, c'est le bordel. Donc, comment faire sortir les petits cow-boys qui sont dans le cerveau d'Indien ? On a laissé tomber cette idée-là. Qu'est-ce que je fous, moi ? Ouais, je fais la même chose que Tom Moore. Et du coup, en fait, mais cette idée-là n'était pas perdue parce qu'on l'a réutilisée pour la rentrée des classes bien plus tard. Voilà. Oui, parce qu'en fait, l'idée de cow-boy, après, elle a été transformée en cours de M. Lambermont, qui expliquait le grand et le petit. Et donc, c'est ce cours de M. Lambermont qui donnera plus tard l'idée à Cowboy Indien d'utiliser ce produit pour aller tricher et chercher les réponses dans le cerveau de cochon. Enfin, voilà. On récupère toujours un petit peu les petits trucs. Ce qui est vraiment jeté dans la poubelle, la poubelle, on ne la vide pas vraiment, quoi. Bon, pour se calmer un peu, on va vous montrer des photos. Poubelle, en fait. Ça, c'est chez vous. Ouais, c'est le storyboard qui est au mur de storyboard. Ça, c'est un vrai storyboard. Enfin, je veux dire, avec des feuilles séparées. Parce que là, ce qu'on voyait, c'est une sorte de découpage. Oui, mais en fait, une fois que le storyboard, quand on est content du storyboard, qu'on se dit, tiens, l'histoire fonctionne bien, évidemment, on va faire un animatique et on va commencer à préparer tout ça pour l'équipe qui va nous accompagner pour la fabrication du film. Et donc là, ce que vous voyez là, c'est un storyboard bien propre pour qu'il soit bien lisible pour les gens de l'équipe, quoi. Et d'ailleurs, le storyboard, il évolue jusqu'au dernier jour. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent changer. En fait, on fait un animatique. Tout storyboard. Donc. Voilà, c'est ça. Nous, de toute façon, dès la préparation jusqu'à la fin du tournage, nous, on retombe. En fait, il y a un truc qui est vraiment chouette avec Panique, c'est que on est un petit peu dans une configuration de live action, parce qu'une fois qu'on a installé le décor et que on est dans notre, je sais pas moi, on est dans la salle de Cheval, dans le salon de Cheval, on se rend compte que tiens, sur le story on avait prévu un découpage en 3 plans et puis on se dit non, pourquoi on jouerait pas la scène comme ça en un seul plan séquence. C'est peut-être plus intéressant parce que du coup on peut retravailler même la mise en scène qu'on avait imaginée dans le storyboard. On la remet en question même directement sur le plateau de tournage et on peut carrément modifier. Donc du coup on va rechanger aussi les trucs pour bien et donc même dans l'animatique on rechange et puis pour voir si en fait on modifie tout le temps les choses comme ça et ça c'est vraiment je crois que c'est un luxe de pouvoir le faire ça aussi parce que je pense que quand c'est des techniques d'animation un peu plus sophistiquées, c'est difficile, quoi, de changer les choses. Et donc ça nous donne quand même pas mal de liberté. Oui, là, et jusqu'à un peu plus proche de la prise de vue réelle, en fait. Oui, et puis jusqu'à la fin, parce qu'on n'est pas non plus coincé avec les lip-sync, par exemple, pour les personnages. Et les comédiens, quand ils viennent faire les voix en post-prod, on peut retravailler sans arrêt aussi les voix qui étaient déjà préenregistrées pendant l'animatique. On peut même changer certains dialogues si le rythme ne fonctionne pas bien. Donc voilà, c'est quand même... Ici, c'est une petite séquence où on montre, avec les quelques possibilités, les quelques figurines différentes de cow-boy indien, on peut arriver à faire une petite conversation pour... avec une dizaine de figurines de chaque personnage, on peut les faire discuter de problèmes assez sérieux, comme ici... Oui. Comment résoudre le problème d'avoir cassé la bûche ? C'est la scène de ménage, carrément. Oui, oui, existentielle. C'est trouver une solution. Et là, ils vont aller acheter une bûche, c'est une bonne solution, ça. Ils vont acheter une bûche au shopping, au magasin. Alors ici, un truc qui est important quand même, pour les paniques au village, Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a une boulette de plasticine en dessous du socle des personnages. Et cette boulette de plasticine, elle est super importante parce qu'elle permet de donner de la souplesse aux personnages. Comme ici, par exemple, on voit Indien dans deux dessins. Ces deux dessins, vous avez vu les dessins, c'est des dessins qui servent de position pour les figurines qui sont créées en volume. Et ici, on voit Indien qui prend une tasse et dans l'autre position, il met la tasse à sa bouche. Voilà, avec ces deux positions-là, on peut imaginer un mouvement assez fluide grâce à la plasticine. Là, il n'y a que deux attitudes, mais c'est la petite boulette de plasticine qui assouplit et qui... donc, enfin voilà, c'est... Tu veux dire que vous jouez sur l'inclinaison par voilà. rapport au... Oui, voilà, on fait un petit frein, on peut assouplir, et il n'y a que deux positions. Mais donc vous faites en X images, oui. Il n'y a que deux figurines. Mais il y a des positions intermédiaires, mais qui sont données par la position sur la... Avec le même... oui, c'est ça, il y a deux positions, mais tout bouge tout le temps. Mais ça a l'air un peu compliqué comme ça, parce que c'est vrai que c'est aussi un petit peu de... C'est un peu de feeling. Oui, ça, c'est l'expérience qui vous permet de faire ça, je veux dire... Ben oui, on sait. Effectivement, oui, au début. Mais bon, la petite boulette de plasticine, dès les premiers tests, a directement été là. Et, oui. Ce que vous avez vu, c'est la marche de cheval. C'était super important. Enfin, c'est très important. En fait, c'est les 8 figurines les plus importantes de toutes les figurines qu'on a, parce que c'est un truc qu'on a fait. C'est comme du dessin animé, mais comme Edward Muybridge quand il fait marcher un cheval. Oui, ça fait très Muybridge, en fait. Et ça nous sert à tout. Et donc, parce qu'il faut savoir qu'en fait, pour tourner un Panique au village, on a différents plateaux et on est 3 animateurs. Vincent, moi, et soit Ben, soit Steven, qui sont deux animateurs qui travaillent dans un studio qui s'appelle Beast Animation. Un de vos personnages est aussi animateur de la série. Oui, Steven, oui. Et donc, on a fait des tests avant d'arriver. Ici, par exemple, on ne va pas vous montrer tous les tests, mais c'était pour voir comment c'était une première impression. Au contraire, c'est quand même assez sophistiqué. Mais encore ici, Cheval, il n'est pas encore au point parce qu'il boite un petit peu. Oui, là, mais enfin, la volonté c'est d'avoir un peu... C'est un peu comme l'animation de substitution. Quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, moi, je pense qu'effectivement, dans certains cas, Panique, c'est un petit peu le chaînon manquant entre le dessin animé traditionnel et la stop motion, parce qu'ici on anime vraiment par substitution, quoi. C'est vraiment on manipule très rarement les éléments directement image devant la caméra. Ce qui est chouette, c'est que bon, dans l'animation de substitution, souvent il y a un côté très léché, très bon, les films de Georges Pal, oui, par exemple, oui. Tandis qu'ici il y a toujours un côté un peu jeté, un peu trash comme ça, un peu truc fait à la rage. Et en même temps, je trouve que Georges Pal, c'était des personnages qui étaient super rigides. Et nous, on n'a pas cette rigidité-là, justement, parce qu'on a la plasticine en dessous qui nous permet de leur donner beaucoup plus de souplesse. Rien que la manière dont ils se déplacent finalement. Vous regardez des oiseaux, dans les grands oiseaux noirs, des merles ou des oiseaux comme ça, vous les voyez se déplacer. Pour moi, c'est un petit peu Cowboy Indien. C'est une patte en devant, une patte en arrière, mais c'est très, très mécanique comme ça. Et pourtant, c'est des animaux qui sont vivants. On synthétise un peu les choses, mais en même temps, on essaye de garder... Non, mais ce qui est bien chez vous, c'est que c'est jamais mécanique. Oui, voilà. Mais jamais des cycles un peu. En fait, ça, c'est ce qu'on a quand même cherché depuis le début, c'est de garder une certaine spontanéité dans les mouvements, pour justement crédibiliser leur existence. C'est pour ça qu'on joue beaucoup avec les voix aussi. C'est pour ça que je disais qu'en 91. Tout était là, je veux dire, cette façon d'animer était là. Après, vous avez affiné tout ça, mais l'esprit était là. Voilà, ce qu'on vous montre ici, c'est l'oreille du cochon, c'est les différentes étapes pour arriver au décor définitif de là où Cowboy Indiens vont faire leur mission. Voilà, ça c'est le décor final. Et la ville des cochons, voilà, c'est les premières ébauches pour savoir quoi pourrait ressembler la ville des cochons. On a évidemment tout misé sur les saucissons. En fait, de tous les animaux qui nous ont inspirés, c'était le cochon, parce que le cochon, c'est un peu... vous allez chez le boucher, ce qui a le plus de volume. On fait plein de trucs. Tous les styles de saucisses que vous pouvez imaginer, c'est très... En fait, tout ce qu'on fait avec le cochon, c'est assez design. Et donc, on a fait des maisons... tout est arrondi, comme si les architectes... les architectes, c'est des cochons, quoi. Ils ont des métros, enfin ils sont bien organisés quand même. Et alors c'est Steven qu'on vient de voir en fait, non? Ah non, c'est le chef d'éco, c'est Marc Nice. Ah. Voilà. Et alors, ben, on arrive déjà à l'image finale. En fait, cette image-là, moi, elle m'a fait beaucoup rigoler. C'est Vincent, parce que Vincent, il vient en train à l'atelier à Bruxelles. Vincent Tavier. Vincent Patard. Et puis il me dit, il ne dit rien. En fait, il ne dit rien du tout. Puis il dit, il fait ce dessin-là. Il me dit, j'ai vu ce gars-là dans la rue. J'étais un peu blême. Je ne savais pas très bien. Ouais, je l'ai croisé. J'ai eu un peu peur. J'ai dû le dessiner pour montrer à Stéphane parce que c'est quand même, c'est assez rare quand même. Moi ça m'avait un peu inquiété, mais ça m'avait aussi beaucoup fait rigoler. Donc on voulait vous faire partager ce beau dessin. Ben voilà, je crois que c'est fini. Quoi, c'est fini? Parfait.